Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. On se retrouve aujourd'hui, enfin on peut tester. Donc je viens vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le mode spectateur du Doomsday League, c'est juste magnifique, franchement c'est cool. Ça fonctionne bien. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre menu Doomsday et vous avez le bouton spectacle, ni plus ni moins. Il vous suffit, vous prévoyez votre journée. Moi, j'ai prévu aussi un petit peu ma journée. Vous pouvez voir à l'avance à quelle heure seront les matchs. Donc, en haut à gauche, vous pouvez sélectionner les différents groupes, etc. Et puis alors, nous, là, je crois que j'ai été voir un petit peu vite fait. Parce que dans notre zone, il n'y a pas beaucoup à 12h UTC. Mais je crois, groupe, ça doit être groupe D. On a un match. On a AGR contre Atlantis. État 27 contre État 29. Ou 63 000 à 3600. Ça fait un petit peu mal. Ouh là là. Tout est vert. Tout est vert. Le centre va ouvrir. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça brûle? Ça brûle pas encore. Ça, c'est calme. Bon, ça doit être un combat pas très très équilibré. On va aller voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc, pour quitter, on ressort. Et puis pareil, il vous suffit d'aller chercher un autre. On va aller voir ce qu'il y a d'autre de disponible. Donc, malheureusement, on ne peut pas regarder la totalité des états. Vous pouvez juste regarder votre zone. Les différentes zones sont séparées. Donc moi, par exemple, je ne peux pas aller regarder... sur les états 200 ou etc. Là, il y a juste nos groupes. Voyons voir, il y a quoi? Le groupe VVV de l'état 33 contre VRT. Tout ça, c'est à 15h. On a quoi d'autre? Là, on commence à descendre vers des clans un petit peu. Mais dans les premiers états, il n'y a pas beaucoup. Là, il y a LDF qui joue. Je vous mettrai le replay. Donc voilà, vous avez juste à regarder, à faire votre planning. Et puis, vous avez tout simplement... Ah, on a DRI état 1 contre état 1. Oh là là. Voyons voir un petit peu si... Oh, c'est équilibré. 19 contre 21. Vous pourrez jouer ensemble au lieu de... Hein? Ça fait à peine 40 joueurs, ça. Alors, état 1. Voyons voir un petit peu. Est-ce qu'on peut voir? Donc, on ne peut pas sélectionner. On voit les actions sur le côté. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool leur mode spectateur. Vous pouvez rester dans votre chat, vous pouvez discuter. Donc, par exemple, nous, on va aller se faire le plaisir d'aller regarder à 15h UTC le clan de mon état qui joue en Doomsday. Donc voilà. Bon, ça sera tout pour cette petite vidéo. C'était juste vraiment pour vous montrer le mode spectateur. Et surtout, n'oubliez pas d'aller parier. Vous devez aller parier. N'oubliez pas de parier. Moi, j'ai déjà parié sur Cobb, si je dis pas de bêtises. Mais attends, c'est mon compte ici. Pourquoi on voit pas? J'ai oublié de parier. J'ai oublié de parier. N'oubliez pas. Ah, si, j'ai parié sur Cobb. Moi, j'ai parié sur Cobb. Valeur sûre. 3 fois champion, 4e. Ça devrait le faire quand tu vois. Par peut-être quoi, mais sinon, tout le reste, ils ont 10 000 points, 15 000 points de score en moins. Donc ça devrait être Cobb. Par contre j'ai oublié les... j'ai oublié les paris. J'ai oublié les paris pour aujourd'hui. Bon, n'oubliez pas vos paris de la semaine. Semaine 2, on ira les faire. Semaine 3, semaine 4. Donc voilà, faites bien attention. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur les paris et comment devenir champion. Donc voilà, sur ce... Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !